Masechet Shkalim, Daftet Vav, Amud Aleph, la Mishnah qui est au milieu de la page. Alors comme dans le Yerushalmi, ça s'appelle pas des Mishnayot, ça s'appelle des Halachot. Halacha Dalet. Shte Leshachot Hayu Bamikdash. Ahat Lishkat Hasha'in. Ve Ahat Lishkat HaKelim. Dans le Beth Amikdash, il y avait des pièces dans les côtés du Beth Amikdash. Et chacune de ces pièces servait à quelque chose. Et elle portait le nom de son utilisation. Exemple, l'Ishkat HaKelim. La pièce, la chambre, où on posait des ustensiles. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Il y avait une pièce qui se nommait la pièce des gens discrets. Hashaim. Hashaï, c'est en cachette. Quelque chose que l'on fait discrètement. De quoi parle-t-on? La Mishnah va nous expliquer. Alors commençons. Shte leshachot hayu bamikdash. Deux chambres, deux pièces, il y avait dans le Beth Amikdash. Ahat lishkat hashaim. Ve ahat lishkat akelim. Lishkat hashaim. Ir ehet notnim letocha b'hashai. Yere ehet, ceux qui craignaient la faute, à savoir des gens yere shamaim, des gens qui craignent Dieu, qui étaient des super tzadikim, v'hasidim, quand il donnait la tzedaka, il a donné en cachette. Notnim letocha b'hashai, il mettait l'argent discrètement. Va'aniyim benetovim mitparnesin mitochah bahashai. Et des gens dignes, des gens qui étaient pauvres, mais c'était des gens qui étaient autrefois riches. Leur situation a périclité. Ces gens ont encore de la dignité. Ils ne sont pas capables de mendier, de faire la manche. Alors quoi, on va les laisser crever de faim? On va leur donner de la tzedaka en préservant leur dignité. Comment? Eh bien, il y avait une pièce dans le Beth Amikdash où les gens mettaient discrètement de la tzedaka là-bas et des gens venaient discrètement prendre de l'argent de tzedaka là-bas. C'est-à-dire qu'on ne savait pas toute personne si elle venait pour donner ou pour prendre. Elle mettait la main à l'intérieur de la pièce. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris de son sac et elle a déposé là-bas. Ou bien au contraire, elle a pris de là-bas quelque chose, l'argent, et elle l'a mis dans son sac. Certainement que les voleurs n'avaient pas accès parce qu'il devait y avoir des shomrim dans le Beth Amikdash, et on voyait qui étaient ces personnes. Si c'était un pauvre mendiant qui de toutes les façons fait la manche, n'avait pas le droit de prendre de cette pièce, parce que cette pièce était pour justement des gens riches. Les gens qui étaient reconnus comme tels, comme riches. Alors, il vient, il rentre à l'intérieur, des gens comme ça, honorables, chavod. Qu'est-ce qu'il vient faire cet homme? Peut-être qu'il est venu pour prendre. Il y en a qui sont venus pour donner, parce qu'ils en ont les moyens. Il y en a qui n'ont plus les moyens. On les appelle aniim benetovim. Cela venait prendre discrètement. Et c'est comme ça que on faisait la tzedaka basseter. Matan baseter irpe af. La tzedaka que l'on donne en cachette, c'est-à-dire qu'on préserve la dignité de la personne et on l'aide sans la gêner, ça apaise la colère divine. Même si, Hasvé Shalom, il y a dans le monde des choses négatives qui suscitent la colère d'Akadosh Baruch Hu, mais grâce à cette tzedaka baseter, matan baseter, matana baseter, irpe af. Ça apaise et ça soumet la colère. Donc on avait une pièce dans le Beth Amikdash qui était faite pour ça. Anim benetovim mitparnesim mitochah bahashai. Lishkat akelim, qu'est-ce que c'est que la pièce des ustensiles? Kol mishu mitnadev keli zorko letochah. Tout celui qui voulait offrir un ustensile au Beth Amikdash, il le lançait là-bas. Pourquoi est-ce que on dit « il le lançait, zorko, les Torah ». Peut-être, ça c'est mon cœur qui le dit, que peut-être il y avait une fenêtre
où les gens faisaient rentrer par cette petite lucarne. On lançait le keli et il était entreposé dans cette pièce. On peut imaginer deux possibilités. Soit qu'il y avait un Cohen qui ouvrait la porte de cette pièce et le bonhomme posait son keli, ou bien que cette pièce était tout le temps fermée et il y avait une petite lucarne et les gens faisaient entrer les ustensiles qu'ils apportaient, les kelim, et ils les jetaient par la fenêtre, par cette petite lucarne. Pourquoi je dis ça? C'est pour traduire le mot zorko. Pourquoi il n'est pas écrit maniho betocha? Pourquoi c'est écrit zorko, lancer? Alors je pense que le mot lancer, c'est plus par rapport à une porte close et on a une petite lucarne, alors on peut parler de lancer. Je rien que j'essaye de comprendre le terme employé. Et on va voir tout de suite dans la Mishnah ce qui est écrit. Ve'ahat lishloshim yom, ha'gizbarim potrimota. Et une fois tous les 30 jours, les gizbarim, le Kohen qui était responsable, allait ouvrir la pièce. Ve'chol keli shematzu bo tzorech lebedek habayit manihimoto. Et ils allaient faire l'inventaire et vérifier qu'est-ce qui était utilisable tel quel et qu'est-ce qu'il fallait revendre. Les kelim qui pouvaient être utilisés pour le bedek habayit, par exemple un marteau, pour renforcer, pour la rénovation du Beth Amikdash, pour des ravalements. Alors ces kelim, ils allaient les garder, puisqu'on en aura besoin pour le travail de l'entretien et de la rénovation du Beth Amikdash. Ve'ashar, nimkarim, udmehem noflim, les bedek habayit. Les autres kelim, par exemple des tables ou des chaises, qui n'allaient pas servir au bedek habayit, allaient être revendus dans le marché par le gizbar, et cet argent allait être récupéré et reversé dans le trésor du Beth Amikdash, du bedek habayit. Gemara. Rabbi Yaakov bar Idi ve Rabbi Yitzhak bar Nachman havu parnassim. Rabbi Yaakov bar Idi et Rabbi Yitzhak bar Nachman étaient les responsables de distribution de tzedaka. Ils allaient collecter des fonds pour la tzedaka. Ve'avu yahvin le Rabbi Hama avoy de Rabbi Oshaya dinar ve'hu yahivle le Horanin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait un dinar, c'est-à-dire de l'argent, à Rabbi Hama, le père de Rabbi Oshaya, et lui connaissait des gens qui étaient des Aniim Benetovim, des gens qui ne faisaient pas la manche, qui ne mendiaient pas, des gens dignes, mais lui connaissait leur situation. Parce que vous savez, parfois, il y a des gens à qui on se confie, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas, entre guillemets, nous vendre, ils vont nous aider sans nous salir. Alors, ces personnes-là de confidence, c'était Rabbi Hama. Des gens qui étaient dans une situation délicate venaient lui dire, voilà, on se trouve dans une situation difficile, est-ce que tu peux nous aider? Donc lui, il allait ramasser de l'argent pour leur donner à eux, et on lui faisait confiance. C'est pour ça que les gizbarim de Tzedaka, les gabayim, tels que Rabbi Yaakov bar Idi, Rabbi Yitzhak bar Nachman, ils donnaient à Rav Hama, le père de Rav Oshaya, un dinar. Vehu yahiv le la horanin, et lui il donnait au aherim. Dans le langage du Yerushalmi, aherim, on dit horanin, les autres. Il donnait aux autres. Parce que eux, les autres, ces gens pauvres, n'allaient jamais venir demander. Alors quoi, on va les laisser mourir? Eh bien, on leur donne par ce biais de personnes qui les connaissent. Rabbi Zecharia, Hatane de Rabbi Levi. Rabbi Zecharia, le gendre de Rabbi Levi, Hayu hakol melizin alav. Tout le monde le dénigrait, le critiquait. Amrin, de lotzarich veu nasav. Les gens disaient, cet homme-là n'a pas besoin de tzedaka. Et pourtant, il demande la tzedaka. Il reçoit nasav, il prend la tzedaka. Min de damach, le jour où il est niftar, batkin ve ashkechin de hava mafligle le horanin. Ils ont fait une recherche et ils ont découvert que lui distribuait cet argent qu'il recevait à d'autres pauvres qui étaient vraiment dans la nécessité. Seulement,
pour préserver leur dignité à eux, lui s'est pris cette critique, ce mépris des gens. C'était un tzaddik extraordinaire qui était prêt à se faire humilier pour aller préserver la dignité des autres et leur donner de la tzedaka. Extraordinaire. Il y a comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà été à Cracovie. Là-bas, à Cracovie, vous avez derrière la choule, le Beta Knesset Arama, le cimetière, et vous avez là-bas la tombe de Tzadikim, de Kdoshe Elion, des Poskim qu'on retrouve autour du Shulchan Aruch. Eh bien, il y a le kever de Hakamtsa Nakadosh, le radin, le saint radin. C'était un homme qui était connu comme un homme avare, qui n'avait pas donné un centime à la tzedaka. Le jour où les niftar, il y a eu des centaines de personnes qui sont venues voir les gabas et tzedaka. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui arrive? C'est quoi cette pénurie, Makara? Alors ils ont tous raconté que c'était lui qui leur donnait chaque veille de Shabbat, tout le nécessaire pour la semaine. Et lui se faisait passer pour quelqu'un d'avare, qui ne voulait jamais apporter sa contribution. Ils ont inscrit sur son kever, Hakamtsan Hakadosh. Rabbi Hinena bar Papa hava maflig mitzvah belelia. Rabbi Hinena bar Papa, lui, distribuait la tzedaka pendant la nuit. Pa'amahat, pagarbe rabbe hon deruhaya. Il a croisé le chef des démons. Amarle, lochen alfan, Rabbi, lotasi gevul re'acha, le chef des démons parle à Rabbi Hanina bar Papa. Il lui dit, vous-même, vous avez enseigné le pasouk qui dit, lotasig gevul re'acha, n'empiète pas dans le domaine de ton prochain. Amarle, ça veut dire quoi? Le chef des démons lui dit, la nuit, tu es en train de circuler tout seul dans l'obscurité. Tu ne sais pas que l'obscurité, c'est le secteur des démons. Et donc, toi, tu es en train de circuler ici tout seul. Tu te mets en danger. Ne t'étonne pas si on te fait du mal. Parce que maintenant, dans le Hosher la nuit, t'achètes Hosher vi laïla, botir moskol haïtoyaar. Toi-même, tu as enseigné qu'il ne faut pas empiéter dans le domaine des autres. Lotasig gevul re'acha. Il lui a répondu. Amarle, velachen ktiv, matan baseter irpeaf. Il lui a dit, tu ne connais pas l'autre pasouk que celui qui donne la tzedaka baseter, et c'est ce que je suis en train d'aller faire. Justement, dans l'obscurité, je vais dans les maisons de ces nécessiteux qui ne veulent pas se faire connaître pendant la journée, et je viens leur apporter la tzedaka. Alors tous ces êtres maléfiques ne peuvent rien me faire comme mal. Parce que matan baseter irpeaf, ça apaise même la colère divine et ça la soumet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hava mistafe mineh ve'arak min komoy. Il a eu peur de lui, il a pris la fuite de devant lui. Amar Rabbi Yona, puisqu'on parle de Matan Baseter, la Gemara nous enseigne et raconte. Amar Rabbi Yona, Ashre noten la dal, en ktiv kan, et la Ashre, Maskil el dal. Dans la Torah, il n'est pas écrit Ashre noten la dal. Heureuse est la personne qui donne aux pauvres. Il est écrit heureuse est la personne qui réfléchit par rapport aux pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Zeshu mistakel ba mitzvah ach la asota. C'est celui qui réfléchit comment faire la tzedaka sans gêner autrui, en préservant la dignité de celui qui va recevoir cet argent. Ketzad haya Rabbi Yona rosé. Et comment Bémet Rabbi Yona lui-même faisait? Kshaya ro'e ani ben tovim shiarad minechasav. Lorsqu'il voyait une personne digne, dont la situation financière avait périclité, haya omerlo, il lui disait, béni, mon fils, Bishvil sheshamati shenafla lecha yerusha mimakom aher, tol ve'ata poreya. Il lui disait un mensonge. Il lui disait, j'ai entendu que tu as reçu un héritage de par ailleurs. Il y a un grand patrimoine que tu vas bientôt recevoir.
Et comme je vois qu'actuellement tu es dans une situation délicate, eh bien je te donne cet argent en tant que dépannage. Mais lorsque tu auras reçu l'héritage, tu me rembourseras. Min de hava nasev, hava amarle, matana hilecha. Lorsque cet homme avait accepté cet argent, après il lui disait, cet argent, je t'en fais cadeau. Je t'en fais un cadeau, tu ne me rends rien du tout. Tu n'as pas besoin de me rembourser. Pourquoi il lui disait ça? Parce qu'il ne voulait pas qu'il garde en tête cette dette et que ça va le tracasser la nuit. Il va se dire, attends, mais d'où je vais avoir cet argent pour lui rembourser? Lui, il me dit qu'il a entendu que j'allais recevoir un patrimoine, mais moi, je n'ai rien entendu. Moi, je n'ai rien vu ni entendu. Alors, je ne sais pas comment je vais lui rembourser. Pour lui retirer une épine du pied, immédiatement, il le soulageait en lui disant, ne t'inquiète pas, c'est Matana. Hiya bar Ada. Alors, vous savez que le Yerushalmi est très, très bref. Il économise des mots. Alors, au lieu de dire « Amar Hiya bar Ada », il est écrit comme ça directement. « Hiya bar Ada, itava savin beyominon ». Alors, on aurait dû dire comme ça. « Amar Hiya bar Ada raconté, itava savin beyominon ». Il y avait des ékénim à notre époque. Man de hava yahib lehon, mi bereshata le tsomaraba, avunasbin. Si quelqu'un leur donnait d'atzedaka à ses ékénim entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est quoi reshata? Rosh Hashanah. Tsomaraba, le grand jeûne, c'est Kippour. Avunasbin, ils acceptaient. Min batarken, mais après Kippour, la avunasbin, ils refusaient. La tzedaka. Amrin, parce qu'il disait, deshata gaban, l'argent de l'année, il est déjà dans notre poche. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que Hakamim nous enseigne que mesonotav shel adam ktsuvin lo merosh hashanah, les rosh hashanah du début de l'année à l'autre début de l'année, eh bien, Kadosh Baruch Hu décrète à nouveau le budget annuel, alors il se disait comme ça. Nous, on n'est pas forcément des tzadikim gemurim, comment c'est écrit? Tzadikim gemurim nirtavim venertamin le altar le haim tovim. Reshaim gemurim nirtavim nirtamin le altar le mita. Benonim teluim veomdim merosh hashana vead yom kippurim. Zachu nirtamin le haim. Alors ils ont dit comme ça. Si Akadosh Baruch Hu a décrété pour nous un budget, c'est certainement à Kippour que cela a été décidé et scellé, la Hatima. Mais entre Rosh Hashanah et Kippour, on est encore en suspens. Comme on est encore en suspens, alors ceux qui veulent nous donner la tzedaka, on ne refuse pas. Parce que pour l'instant, on n'a pas d'enveloppe qui nous est adressée. C'est intéressant de voir quel est le statut. Quel est notre statut? Benonim, teluim ve'amdim. Teluim ve'amdim, ça veut dire qu'on est vraiment en suspens entre Rosh Hashanah et Kippour. La Gemara raconte encore. Nehemia, ish shichin. Nehemia, le creuseur de tranchées et de puits. C'est-à-dire que à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Comment est-ce que les gens allaient puiser de l'eau? Il y avait des citernes, des puits. Alors soit on avait de l'eau de source, une fontaine au fond du puits, c'était de la chance, soit on avait de l'eau stagnante, de l'eau méchanée. Mais les gens étaient très intéressés à ce qu'il y ait des citernes un peu partout, à proximité de leur habitation. Et il y avait un monsieur qui creuser. Ce creuseur, comment s'appelait-il? Nehemia. Nehemia, ish shihin. Rappelez-vous, bor, shiyah ou me'ara. Comme dans karuli shuha. Ils ont creusé shuha, shiyah. Alors, il y a trois sortes de bassins. Il y a bor, shiyah, me'ara. Bor, c'est un bassin de forme circulaire, rond.
Et Shiyah, c'est rectangulaire. C'est une tranchée en forme de rectangle. Et le Emerara, c'est carré et partiellement recouvert. Donc ce Nehemia, Ish Shihin, Pagarbo Yerushalmi Ehad, il a croisé un jour un Ani Yerushalmi, un pauvre de Jérusalem. Amarle, Zeche Imi Hada Tarnegolta. Il lui a dit, s'il te plaît, donne-moi un poulet, j'ai envie de manger. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose de dramatique. Amarle Helecha Tumite de Kupad. Voici, je te donne de l'argent pour t'acheter de la viande. Vezabin Kupad ve Achil Umit. Il a acheté de la viande, il a mangé et il est mort. Alors il y a deux pirushim, comment expliquer l'histoire. Soit que le poulet, c'était considéré à l'époque plus important que la viande, c'est-à-dire que ça coûtait plus cher. Bien sûr que la viande de bœuf, elle est plus importante au niveau de... lorsqu'on va faire des fêtes, la viande, c'est plus hachouv, au niveau de la simha, qu'est-ce qui est mesameah, c'est de la viande de gros bétail, nachon, des ovins, c'est ça ce qui est mesameah, la viande de bœuf, bakar. Mais certains payent plus cher le poulet, parce que c'était plus rare. Peu importe, ça c'est une explication. Une autre explication, c'est le contraire. C'est qu'il lui a donné de l'argent pour s'acheter encore mieux que du poulet. Il a dit, pourquoi tu t'achètes que du poulet? Achète-toi de la viande. Il y a deux explications. D'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le pauvre, a demandé du poulet. Et le rave lui a donné de l'argent et lui a dit, achète-toi de la viande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé cette viande, il s'est étouffé avec. Il a fait une indigestion. Ou étouffé, ou une indigestion. En tout cas, il est mort avec cette consommation. Nehemia, qui était le creuseur de puits, a eu un problème de conscience très grave. Ve'ayat soveah, il hurlait, il poussait des cris, et il disait, ve'amar, bo'u ve'sifdu les harugo shel Nehemia. Venez faire un hesped à celui qui est mort à cause de moi, qui est mort à cause de Nehemia. Alors les amis, l'explication la plus simple, c'est de dire que le poulet, c'était plus cher que la viande. Cet homme était habitué à manger du poulet. Il lui a donné de l'argent en lui disant, t'as pas à faire des caprices. Toi, tu es un pauvre, tu peux te suffire de viande. Pourquoi est-ce que tu vas prendre du poulet? Alors dans ce cas-là, on a compris qu'il s'en voulait. Parce que en fait, cet homme ne supportait pas la viande. Cet homme ne supportait pas la viande. Il avait un estomac qui était plus délicat. Il mangeait que du poulet, que de la volaille. Et en lui donnant de l'argent pour s'acheter uniquement de la viande de bœuf et pas de la volaille, alors il est mort à cause de ça. Ça, c'est une explication. Autre explication, il est écrit dans la Gemara, « Shinui veset tchilat holi me'aim ». Un homme, s'il n'a pas l'habitude de manger, Et du jour au lendemain, tu changes son régime et tu lui donnes à manger beaucoup plus que ce qu'il avait l'habitude de manger. Eh bien, ça peut lui faire du mal. Parce que chacun est son habitude. Chacun est sa nature. Son estomac. Donc lui, il se connaît. Lev yodea marat nafsho. L'homme se connaît plus que n'importe qui d'autre. Donc si lui, il lui a demandé du poulet, il fallait qu'il lui donne du poulet. Mais c'est pas, ce qui est plus logique, c'est de dire que l'argent qu'il lui a donné ne suffisait pas pour le poulet. Car si l'argent qu'il lui a donné suffisait pour le poulet, il lui a donné même plus que ça, il lui a donné même pour de la viande, alors maintenant, après ça, le pauvre, il aurait pu s'acheter ce qu'il veut avec. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, ce qui est plus logique, c'est de dire, comme dit le Maharaj Cyrilio, il disait que, en effet, le poulet coûtait plus cher.
et il lui a pas donné suffisamment d'argent pour acheter du poulet. Il lui a donné que pour s'acheter de la viande de bœuf, et c'est comme ça que lui, par rapport à sa petite nature, il est décédé. Ça a été mieux la route. Mais je dis parce que dans le taklin hadetin, on peut expliquer différemment, mais c'est pas mistaber. C'est ce que dit le Maharaj Cyrilio qui est beaucoup plus logique. Encore une histoire que vous connaissez. On la connaît du Bavli, dans Maseret Ta'anit, mais ici dans l'Yerushalmi, elle est racontée autrement, avec des détails qui nous expliquent et qui nous éclairent encore plus l'histoire. C'est l'histoire de Nahum Ish Gamzo. Nahum Ish Gamzo, Haya Molir Doron Lebet Hamiv. Il était en train de voyager et il portait avec lui des cadeaux pour son beau-père, pour la famille de son beau-père. Dans le Bavli, dans Ta'anit, il est écrit qu'il avait trois ânes, l'un chargé d'aliments, l'autre de boissons et le troisième de toutes sortes de friandises. Megadim. Pagarbo Mukeshin Ehad. Et voilà qu'il a croisé un homme malade. Mukeshin. Il était même atteint de toutes sortes de furoncles. Amarle Zeche Imi, Mima de Idgabar. Il lui a dit, donne-moi de ce que tu possèdes. Ça veut dire, donne-moi à manger. J'ai faim. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié de traduire le mot Zeche'imi. Zeche'imi. J'ai traduit par donne-moi. Mais en réalité, si on traduit littéralement, c'est et un srout avec moi. Un srout à mérite. Car beaucoup plus que ce que donne le Baal HaBayit au Hani, le Hani donne au Baal HaBayit. Car qu'est-ce que donne le Baal HaBayit au Hani? Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne à manger, c'est du matériel, c'est de l'argent. Mais le Hani, qu'est-ce qu'il donne au Baal HaBayit? Un mérite éternel. Ça n'a pas de limite, ce qu'il lui donne. C'est beaucoup plus important. Et donc, dans le Yerushalmi, c'est comme ça que le pauvre s'adressait au riche. Il lui disait, « Zecherimi », c'est extraordinaire, que même le pauvre n'était pas gêné de recevoir la tzedaka, parce qu'il savait que au travers de cette tzedaka qu'il allait recevoir, il donnait un mérite au Hachir qui était encore plus important. Alors il lui disait, « Zecherimi », et du srout, et donne-moi la tzedaka. Il n'y a pas de Hani, il n'y a pas de tzedaka. Nahon. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Baba Batra raconte qu'un jour Tornosrophos Aracha a croisé Rabbi Akiva. Il lui a dit, je ne vous comprends pas. Comment est-ce que vous donnez la tzedaka aux pauvres? Vous savez à quoi cela ressemble? Imaginez-vous le roi. Il a mis un homme en prison. Il a dit que personne ne lui donne à manger. Et voilà qu'arrive quelqu'un et qui en cachette donne des sandwichs à ce monsieur au travers de la fenêtre de la prison. S'il se fait attraper, qu'est-ce qu'il le fait le roi? Il tue. Et vous, vous faites exactement pareil, puisque vous donnez la tzedaka aux pauvres. Mais c'est qui a fait que le pauvre soit pauvre? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors quand vous lui donnez de l'argent, vous allez à l'encontre de la volonté divine. Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Akiva? Rabbi Akiva lui dit, il est beau ton machal, mais il manque juste une chose. C'est que toi, tu nous as comparé à un homme normal, à Eved, qui a été mis en prison. Mais imagine-toi la même histoire, et que le roi avait mis son fils en prison, parce qu'il avait fait les 400 coups. Et il a dit, ne lui donnez pas à manger. Et que voilà qu'arrive quelqu'un et en cachette, il lui donne des sandwichs. Qu'est-ce qu'il fera le roi plus tard? Il va le récompenser. Il va lui dire, en réalité, moi j'ai dit comme ça dans ma colère, et j'ai voulu impressionner, mais bien sûr que je ne voulais pas que mon fils crève de faim. Viens, je te récompense. Oh, Hevger, la tête l'eau, les hem vesimla. Akadosh Baruch Hu, il est Ohev Aniim. Parce que, alors il lui a dit dans ce cas-là, si Akadosh Baruch Hu il est Ohev Aniim, mi pnema ino me farnesam, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu ne donne pas la parnassa au Aniim directement? Il lui a dit, kede leatzilotanu midina shel gehinam. C'est pour nous donner à nous le srout d'échapper au gehinam au travers d'Atzedaka. Yofi, Amarlo Zecherimi, Mimadid Gabbach, donne-moi s'il te plaît de ce que tu possèdes. Amarle Mihzour, il lui a dit à mon retour,
quand je pour l'instant, je suis en train de courir pour aller chez mes beaux-parents. Je vais leur donner tout ce que j'ai à apporter. Et après, à mon retour, je te donnerai. T'inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Hazar Be'ashkehemet. Quand il est revenu, il a trouvé mort. Ve'ava Amar le Kiblé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nahum Ishgamzo s'est tenu devant lui. Il s'est mis à dire Enaya de Haminach Bela Isbunlach Istamian. Les yeux qui t'ont vu dans cette situation et ne m'ont pas poussé à te donner, alors qu'ils soient aveuglés. Yade Delopashtan Mitanlach Itkateroun. Les mains, les bras qui n'ont pas été tendus pour te donner la tzedaka, qui soit coupé. Raglaya, Deloriatan et Mitanlar, Itavrun, les pieds qui n'ont pas couru pour te donner la tzedaka, qui soit brisé. Umat et Terken. Et Hashem Yatsilenu, ça lui est arrivé ainsi, qu'il a été attrapé par des brigands qui lui ont fait exactement tout cela. Ces brigands lui ont volé ce qu'il avait et ils lui ont cassé les bras. Les pieds, ils l'ont aveuglé. Salik legabe Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est venu lui rendre visite. Anachum Ishgamzo. Amarle. Aili Shani Roe Otrabekar. Il a dit, malheur à moi que je te trouve dans cette situation malheureuse. Amarle. Aili She'enani Roe Otrabekar. Il lui a dit, malheur à moi que je ne te vois pas à toi. Rabbi Akiva dans cette situation. Amarle ma'at mekaleleni. Il a dit, pourquoi tu me maudis? Amarle ma'at meva'et beisurim. Alors il lui a dit, pourquoi tu refuses les souffrances d'Akadosh Baruch Hu? Tu es en train de me dire, malheur à moi que je t'ai trouvé dans cette situation. Mais si Akadosh Baruch Hu m'a mis dans cette situation, c'est qu'elle est bonne. Alors pourquoi tu rejettes les épreuves? Mais les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu envoie, même si dans ce monde, ça paraît comme étant un malheur, mais dans l'autre monde, on sait les apprécier. On aura un ayom. La Gemara raconte, Rabbi Oshaya Rabba, Hava Rabbe Debre Hatsage Nehora. Rabbi Oshaya Rabba était le rav d'un élève qui était le fils d'un aveugle. Ve'ava Yalif, Achol imé bechol yom. Et Rabbi Oshaya Rabba, tous les jours, avait l'habitude de manger avec lui. Avec qui? Avec cet aveugle. Il lui faisait le kavod de manger en sa compagnie, de l'aveugle. Hadzeman, havale orhim, vela mata mechol imé. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Oshaya? Il a mangé avec ses propres invités et il n'a pas été manger en compagnie de l'aveugle ou l'invité à venir. Il a laissé tout seul. Beramcha, à la tombée de la nuit, Salik Legabé, il est venu lui rendre visite. À Marley, il lui a dit, Laïch os mari alay. Adoni, mon maître, faut pas que tu sois en colère contre moi par rapport au fait de mon absence aujourd'hui. Je suis pas venu déjeuner avec toi. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Begin de Havali Orhin Yomaden, car aujourd'hui j'ai eu des invités, des Amrit. Alors je me suis dit, de l'olive Zoybi Kara de Mare Yomaden, Begin Ken la Achalit Aimare Yomaden. Il a dit, j'ai eu peur que ces gens-là ne sachent pas vous apprécier. Et quand ils vont voir que vous êtes aveugles, ils vont peut-être vous manquer de respect. C'est pour cela que je ne suis pas venu manger avec vous aujourd'hui. À Marley, il lui a dit, « Ata piyasta, les man de mitchame vela hame, den de hame vela mitchame, yekabel piyusach. » Merci beaucoup. Il lui a dit, « Toi, tu as apaisé et tu as consolé celui qui est vu et qui ne voit pas, alors que celui qui voit et qui n'est pas vu, également, exauce tes souhaits et tes prières. » Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lui, voit tout le monde, mais personne ne peut le voir. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait du chesed avec un aveugle. Cet aveugle qui est vu, mais qui ne peut pas voir.
Et bien que Mida keneged Mida, mesure pour mesure, que Akadosh Baruch Hu exauce tes prières et qu'il apaise ton cœur comme toi tu as su apaiser le mien. À Marley. Alors, il lui a dit, Hada minalach. Il lui a dit, c'est extraordinaire ce souhait que tu m'as adressé. D'où tu as tiré, d'où tu as puisé ce beau souhait de mesure pour mesure par rapport à ce que tu viens de dire. À Marley, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov. Je l'ai appris de Rabbi Eliezer ben Yaakov. De Rabbi Eliezer ben Yaakov, al had de sage nehora l'écarté. Il y avait une fois un aveugle qui est rentré dans sa ville pour s'installer là-bas. Il y a Tavle Rabbi Eliezer ben Yaakov, les Ramine de Imrun, de Ilule Davar Barnacha Rabba, là y a Tavle Rabbi Eliezer ben Yaakov, les Ramine. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Eliezer ben Yaakov pour que les gens aient du respect de cet homme? Il est venu s'asseoir à ses pieds. Ça veut dire que Mamash, il a mis l'aveugle au-dessus de lui. Et tout le monde connaissait la grandeur de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ils se sont dit, si même Rabbi Eliezer ben Yaakov lui fait du kavod, c'est que c'est vraiment quelqu'un de respectable, d'honorable. Avdin le parnassa deikav. Et c'est comme ça que Behemet, les gens ont donné la parnassa à cet aveugle avec beaucoup de kavod. À Marlon, Mahu Hachen, quand le hiver, cet aveugle a demandé aux gens, mais pourquoi vous me faites autant de kavod? Amrounle, ils lui ont dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Yatav le rar minach, Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il s'est mis à tes pieds, alors c'est sûr que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a fait? Vetsaloy, aloy, hadat, selota. Il a prié en sa faveur la prière suivante. Il lui a dit, Ata gamalta chesed, leman de mitchame velachame. Toi, tu as fait du chesed envers quelqu'un qui est vu, mais qui ne peut pas voir. Den de chame velamitchame, igmol yatar chesed. Dieu, qui voit toutes ces créatures, mais qui, lui, n'est pas vu, eux aussi te comblera de bienfaits. Rabbi Hama bar Hanina ve Rabbi Oshaya. Havu metailin. Rabbi Hama bar Hanina et Rabbi Oshaya, ils se promenaient entre les batei knessiot, entre les synagogues de la ville de Lod. Amar Rabbi Hama bar Hanina et Rabbi Oshaya, Kama mamon shik'o avotai kan. Il lui a dit, tu vois ici ces belles synagogues, quels beaux édifices, tu vois qu'est-ce que c'est impressionnant. Tu sais qui est-ce qui a construit toutes ces belles synagogues, ces monuments? Eh bien, c'est mes parents, c'est mes ancêtres. Amarle, kama nefashot shikru avotecha kan, lohavat it bene nasha dilon beoraita. Il lui a dit, eh bien, tes ancêtres, en fait, ils ont enterré des âmes ici. C'est-à-dire qu'au lieu de donner de l'argent à des gens qui peuvent étudier la Torah, grâce à leur argent, ils ont été construire des beaux monuments. Répétons. Amarle, kama nefashot shikru avotecha kan. C'est comme s'ils avaient pris des neshamot et les ont encastrés dans les murs, ils ont construit ces murs avec. Pourquoi? Lohava it bene nash deilon beoraita. Quoi, ils pouvaient pas trouver des gens qui viennent étudier la Torah? Cet argent, au lieu de le mettre dans les murs, de le donner à des personnes qui viennent étudier la Torah, c'est beaucoup plus important. Ça, c'est la construction du monde. Altikre banair et la bonair. Rabbi Avun, avad ilen taraya de sidra rabba. Ata Rabbi Mana le gabe. Rabbi Avun, il avait offert de très belles portes dans le grand Beit HaMidrash, Sidra Rabba. Tous ceux qui arrivaient étaient impressionnés, subjugués par la beauté de ces portes. Ata Rabbi Mana le Gabé, Amarle, Hame Maïde Abdit. Rabbi Mana est arrivé chez lui. Il a dit, regarde la beauté de ce que j'ai fait. Il lui a donné un reproche. Il lui a adressé un reproche. Amarle, Naishkach Israël et Oseu, Naiven Hechalot, Lahavar Barnash,
Il lui a dit, ceux qui construisent des grands édifices, c'est parce qu'ils ont oublié Akadosh Baruch Hu. Vaishkar Israël et Oseu, Vaiven Echalot. Vous construisez des beaux Echalot. Loavabne Nash de l'Iron Beoraita. Fais quelque chose de plus simple, mais cet argent, donne-le aux étudiants de la Torah. Et on va terminer le sujet. Tenan Hatam, Kotche Mizbeach, Motsiim et Araou Ilahem, Mi Kotche Bedek Abait. Aval En Kotche Bedek Abait, Motsiim et Araou Ilahem, Mi Kotche Mizbeach. Velo Kotche Bedek Abait, Mi Kotche Bedek Abait. C'est-à-dire que Ma'alin Bakodesh ve En Moridin. Lorsqu'on a de l'argent qui a été reversé dans le Beth Amikdash pour la rénovation et l'entretien du Beth Amikdash, ça s'appelle Bedek Abait. Cet argent peut être utilisé pour acheter des korbanot si on n'a pas suffisamment d'argent du Mahatzit HaShekel. Tout le monde donnait Mahatzit HaShekel. Normalement, ça devait suffire. Mais si on était coincé, il fallait se dépanner, eh bien, on allait se dépanner du Bedek Abait. Car le Bedek Abait, c'était d'un niveau de Kedusha, mais le Kedushat Mizbeach, c'est supérieur. Alors, on pouvait rehausser le niveau de Kedusha. Mais on n'avait pas le droit de le réduire. C'est-à-dire que si on avait besoin pour le ravalement et rénovation de Beth Amikdash d'argent, on ne pouvait pas se servir du Mahatzit HaShekel qui était dans la Koupa, dans la Lishka du Mizbeach. Je répète. Kotche Mizbeach, Motsiim et Araou Ilahem, Mi Kotche Bedek Abait, Aval En Kotche Bedek Abait, Motsiim et Araou Ilahem, Mi Kotche Mizbeach. Et également, Velo Kotche Bedek Abait, Mi Kotche Bedek Abait. Si quelqu'un, quand il a donné de l'argent au Bedek Abait, il a dit voilà, c'est pour faire ceci, on ne peut pas faire autre chose que ce qu'il a demandé. Veha Taninan. Keli shematzubo tzorech le bedek habayit manichim oto veashar nimkarin udmehem noflim le bedek habayit. Amar Rabbi Chizkia kene matnitin le lishkat bedek habayit. Qu'est-ce que ça veut dire? On lui a dit, comment tu peux me dire qu'on n'a pas le droit de changer de destination par rapport au bedek habayit lui-même, une fois qu'on a donné par rapport à un besoin? On n'a pas le droit de dévier. Pourtant, il est écrit dans une Mishnah que un keli dont on a trouvé sorech le bedek habayit manichim oto ve'ash arnim karin udmen noflin le bedek habayit. On a appris dans notre Mishnah, juste au début, qu'est-ce qu'on avait appris? Que celui qui a offert un keli au bedek habayit, si c'était par exemple un marteau, on avait dit le marteau, c'est nécessaire pour la rénovation. Alors, on le laisse pour le Bedek Abait. Mais si c'est les autres Kelim, par exemple, quelqu'un qui a offert des chaises et des tables, qu'est-ce que le Beth Amikdash va faire avec des chaises et des tables? Il n'a rien à faire. Il va les revendre. Et cet argent va retomber dans la caisse du Bedek Abait. Alors, pourquoi tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de changer de destination par rapport à la volonté de celui qui donne? Amachizkia, kene matnitin. L'Elishkat Bedek Abait. Il y a une différence entre quelqu'un qui donne pour le Bedek Abait même ou bien pour la Lishka du Bedek Abait. Lorsqu'on donne de l'argent pour le Bedek Abait, c'est-à-dire, par exemple, moi je voudrais qu'on mette ici un lustre, je voudrais qu'on fasse la façade, investir pour la rénovation de la façade et ainsi de suite. Alors tu ne peux pas changer sa destination. Il t'a donné pour cela. Mais là, on a parlé des kelim qui ont été donnés à la Lishka. Il ne t'a pas dit exactement ce qu'il veut faire en tant que Bedek Abait. Il a dit, je voudrais que ces biens, ces tables et ces chaises soient pour la Lishka du Bedek Abait, la pièce où on mettait les kelim là-bas. Et après, une fois que le Gizbar va vendre, il fait ce qu'il veut avec. Parce que cette personne n'a pas eu de souhait spécifique. Il a donné de manière générale dans la Lishka du Bedek Abait. Donc là, il n'y a aucun problème d'utiliser pour n'importe quelle utilisation nécessaire pour la rénovation et l'entretien du Beth Amikdash.